Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Bob. Salut Bob, coucou, ça va? Comment ça va Bob? Bon bah c'est l'air d'aller, en gros pour une fois je vais avoir une journée complète avec Bob. En effet d'habitude ma copine part avec Bob et me laisse avec Tom et Juliette. Et cette fois-ci aujourd'hui c'est l'inverse, puisqu'elle est partie avec Tom et Juliette et me laisse Bob pour une journée. Du coup ça me fait vraiment plaisir parce que je vais pouvoir profiter de Bob pendant une journée complète juste avec lui. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien c'est très simple, comme vous pouvez le voir, regardez juste ici, il y a une nouvelle grosse maison qui s'est construite à côté de la nôtre, plus une maison qui s'est peinte en bleu juste ici. Avant elle était orange, c'est toujours la même maison mais elle a été peinte en bleu. Et en fait qu'est-ce qu'il y a dans ces maisons? Eh bien apparemment il y a des nouveaux voisins. Vous saviez, mon quartier était très très vide, eh bien apparemment il y a des nouveaux voisins. Du coup j'ai hâte d'aller les voir et de voir un peu qui c'est. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification, ça me fera extrêmement plaisir. En plus de ça, tu feras partie de la Team Zombie. La Team Zombie, c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, du coup, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si tu veux plus de vidéos avec Bob, eh bien, je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, puisqu'à 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je refais automatiquement une nouvelle vidéo avec Bob. Bref, du coup, Bob, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui. Non, tu sais pas trop? Ok, alors, en fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo, eh bien, on va aller dire bonjour à nos nouveaux voisins. En fait, il y a des nouveaux voisins qui sont arrivés, Bob. Du coup, en fait, le but de cette vidéo, c'est d'aller leur dire bonjour. Du coup, voilà. Tu sais un petit peu qui sont les nouveaux voisins? Peut-être toi, t'es déjà allé dans la rue, non? Je sais pas. Papa. Ok, d'accord. Bon, il a dit papa. C'est vrai qu'il commence à parler. Du coup, ça fait vraiment plaisir que Bob commence à parler. Ok, ok. Bon, du coup, regarde, Bob, cette nouvelle maison à gauche, eh bien, apparemment, c'est la maison de Raisin. Je sais pas si tu connais Raisin. Oui, oui, c'est un de mes collègues youtubeurs, du coup, voilà. Voilà, donc j'ai fait quelques vidéos avec lui. Vous pouvez retrouver sa chaîne en description, évidemment. Donc là, voilà, en fait, c'est sa maison. Apparemment, il a emménagé juste ici. On va aller voir un petit peu sa maison, puisque je sais pas s'il est là. Attendez, on va sonner, voir s'il est là. Je sais que je lui ai envoyé un petit SMS tout à l'heure pour lui dire que je préparais une vidéo et il m'a dit je serai sans doute pas là. Du coup, tu peux quand même visiter ma maison et la présenter aux abonnés. Du coup, là, voilà, on regarde sa maison. Ah ouais, le petit setup pour faire des vidéos, le petit coin télé. Ah, il y a plus de cookies. Il y a plus de cookies. Bon, c'est pas grave. Eh tiens, vas-y, viens Bob, on va aller remplir sa boîte de cookies. On va aller prendre des cookies qu'on a chez nous, on va aller remplir sa boîte de cookies, ça va lui faire plaisir. Attends, je vais aller prendre tout ça, hop hop hop. Je crois qu'on a des cookies à côté de la télé. Hop, c'est bon, on va prendre tous les cookies. Hop hop hop, c'est bon, on a pris plein de cookies. C'est bon, on va lui remplir sa boîte de cookies, il va être content. Donc voilà, c'est la maison de Raisin, on va la visiter un petit peu. Voilà, apparemment dans cet épisode aussi, tout ne va pas se passer comme prévu. Du coup, vraiment, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Puisqu'apparemment, voilà, il va se passer des trucs bizarres. Donc je ne sais pas encore trop ce que ça va être, mais bon. Voilà, ok, plein de cookies dans la petite, dans le petit réservoir à cookies. Enfin, dans le petit pot à cookies. Non, 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 Bob, faut pas en piquer. C'est pour notre ami Raisin. Enfin, remarque, il venait de chez nous, vas-y, tu peux en manger un quand même. Ok, bon, en tout cas, c'est vraiment cool. Regardez, il y a un petit autoportrait de lui. Une nouvelle salle de bain et tout. Ah ouais, c'est vraiment stylé, il a bien aménagé ça. Franchement, c'est vraiment cool. On va aller voir à l'étage. Ah, à l'étage. Ah ouais, il y a carrément une chambre et tout. Ah ouais, cet espace-là, il n'existait pas avant. Ah oui, il a agrandi, j'ai l'impression, la maison quand même un petit peu. Ah ouais, c'est vraiment stylé. Ok, avec une belle chambre et tout. Eh, qu'est-ce que tu fais, Bob? Arrête de te doucher. Allez, viens. Ah, attends. Ah si, c'est bon, ok, on peut descendre. Allez, allez, viens. Allez, Bob. Allez, on coupe la douche. Vas-y, on va aller voir notre autre voisin. Allez, viens, viens. On va voir l'autre voisin. Hop, alors l'autre voisin, par contre, je t'avoue que je le connais pas. Du coup, bah reste un petit peu en retrait au cas où, parce qu'il peut être bizarre, tu sais. On va sonner. Quoi? Oui, il nous regarde bizarre. Attends, c'était le voisin? Attends. Bonjour. C'est pour vous, c'est votre voisin, c'est pour vous dire bonjour. Eh, Bob, viens ici tout de suite. Allez, Bob, tu viens ici tout de suite. Je reste auprès de papa, là. Bon, je sais pas, il était à la fenêtre. Bon, j'ai l'impression qu'il veut pas... qu'il veut pas nous dire bonjour. Bon bah je sais pas, bon en tout cas on va le laisser tranquille hein. S'il veut pas venir nous dire bonjour, c'est pas grave. Bon vas-y Bob, on va rentrer à la maison du coup. Et on va aller faire une petite activité en attendant que maman et Tom et Juliette rentrent. Du coup vas-y, ouais. C'est bien en tout cas, Bob il sait de mieux en mieux prononcer papa et maman. Du coup c'est cool, bref du coup là on est à la maison. Du coup bah ce que je te propose Bob, c'est qu'on va faire les bébés nageurs. En gros je vais t'apprendre à nager, enfin tu sais déjà à peu près nager. Mais essaye de nager un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu fais? T'allonges pas ici, allez viens. On va plonger, let's go, dans la piscine. Allez hop, c'est bon, on se met dans la piscine. Allez, allez, essaye de nager. Allez, allez, c'est un peu comme une grenouille. Comme la grenouille, la brasse un peu. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives ou pas? What the fuck les gars? Attends, mais c'est quoi ce délire? Ok, ok, bonjour monsieur. Ah bonjour, bonjour, bah on est venu vous voir tout à l'heure mais vous avez pas répondu. Ok, what the fuck les gars, il a dit bonjour, je suis votre nouveau voisin. C'est trop bizarre ça Bob. Bon Bob, on a bien nagé là, ce que je te propose c'est que t'ailles au dodo. Je vais te présenter ta nouvelle chambre. J'ai construit une nouvelle chambre pour Bob. Vous allez voir, elle est vraiment stylée.
Allez, tu viens Bob, je vais fermer la piscine. Hop, c'est bon, la piscine est fermée. Viens, on va à l'étage, regarde. Tu te souviens de ta chambre un petit peu n'importe quoi que t'avais faite? Eh bien là, je t'ai construit. Hey, faut que t'arrêtes d'utiliser la mobilette dans la maison là. Allez, descends de ta mobilette. Hop, tu viens, viens voir, viens voir. Ça, c'est ta nouvelle chambre, Bob, regarde. Je t'ai mis des jouets, des petits cubes et tout. Voilà, et là c'est ton lit. Ton lit, ça c'est un vrai lit de bébé, voilà, c'est pas comme le lit du trop chelou que t'avais fait la dernière fois. Donc voilà. Bon allez, bonne nuit Bob. Il dort, regardez, il dort à l'horizontale tellement il est petit. je suis mort, c'est stylé. Bref, bon vas-y, à plus Bob. Ouf, oh, les ronflements de ouf. C'est quoi ces ronflements? Et regardez d'ailleurs, il y a la chambre de Tom aussi qui a un petit peu changé. Et la chambre de Juliette, regardez, elle a un petit peu changé aussi, vous allez voir. Hop, je vais descendre. Regardez, ça c'est la chambre de Juliette, elle a un petit peu changé aussi. Enfin bref, c'est stylé, regardez avec le petit truc. Là c'est moi qui ai aménagé les chambres parce que c'est vrai que c'était pas très beau ce qu'ils avaient fait. Et là j'espère que ça vous plaît, donnez des petites notes aux chambres de mes enfants. Je pense qu'elles sont vraiment cool. Bon bref, moi je vais aller mater la télé, voilà. Je vais mater la télé et puis voilà, le temps que je mate la télé. Et puis ensuite on ira réveiller Bob quand il sera... Attendez, je vais regarder l'heure qu'il est. Il est actuellement 17h45. Bon, quand il sera 19h, on va le réveiller avant que ma copine rentre, donc voilà. Ok, bon, le soleil est en train de se coucher à moitié, je suppose qu'il doit bientôt être 19h. Hop, je vais éteindre la télé, tac, c'est bon. Et là, il est... Ok, il est 19h, il est temps d'aller... Enfin, il est presque 19h, il va être 19h dans très peu de temps. C'est bon, il est 19h. Du coup, il est temps d'aller réveiller Bob parce que ma copine va pas tarder. Et ce serait bien qu'il soit réveillé et qu'il fasse pas une trop grosse sieste. Parce que sinon, cette nuit, il va pas du tout dormir, il va encore faire la Java. Du coup, on va tout de suite aller le voir. Bob ? Bob ? Il est où Bob ? What the fuck, les gars ? Il est passé où Bob ? Wow, wow, attends, c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Attendez les gars, parce que c'est... Wow, c'est impossible ça ! Attendez, parce que j'ai surveillé toutes les sorties ! Attends, mais comment c'est possible ? Non, non, alors, attendez... Oh les gars, c'est pas possible que Bob se soit échappé, et je sais que c'est absolument pas son genre. Genre justement, il s'échappe quand on fait des sorties, même quand je le mets à dormir, c'est impossible qu'il s'échappe. En plus, c'est un gros dormeur, du coup là, c'est vraiment pas possible. Attendez, attendez, il s'est passé quoi les gars ? Là, franchement, c'est quoi ce délire les gars ? Est-ce que vous avez une idée ? Mettez en pause la vidéo et dites-moi si vous avez une idée. Moi je crois que j'ai une petite suspicion et ça me plaît absolument pas. Je pense clairement que Bob est peut-être chez mon voisin. Le voisin était vraiment méga chelou et ça m'a absolument pas plu tout à l'heure qu'il est venu nous mater quand on était dans la piscine là. C'était trop bizarre, genre il était derrière la haie, trop bizarre. Regardez, je vais remonter juste où il était. Il était juste ici là-bas et ça m'a fait vraiment flipper parce que déjà il nous a observé une première fois de la fenêtre quand on est venu. Il nous a pas dit bonjour ni rien, il était déjà bizarre. Et là, deuxième fois, il était à côté de la haie et il vient pas. Je trouve ça vraiment chelou les gars, je pense que vraiment Bob il est chez le voisin, que le voisin m'a fait un coup bizarre. On va tout de suite y aller, il est 20h30, ça va. Ok, let's go les gars, on va aller chez le voisin parce que là franchement ça me plaît absolument pas. Du coup je vais pas me gêner pour tambouriner à sa porte parce que vraiment là je suis énervé. Allez, tu m'ouvres, oui, monsieur, bonjour, monsieur, il est où Bob? Votre fils il est à l'étage, je l'ai kidnappé, il est dans la chambre. Mais vous êtes complètement malade, c'est vous, donc c'est vous. Attends, Bob, j'arrive. J'en ai pris soin, monsieur. Venez voir, il est dans le okay. fond. Il est où? Eh, mais vous êtes complètement malade. Bob, je suis là. Bob, oh, what the fuck? Bob, dégagez, les chats là. Dégagez. Je vais te dire, Diabolo, mais attends, pour ça, je vais enlever mon déguisement. Ouais, dégage. Attends, mais c'est un malade ce mec, c'est un malade, vraiment. C'est qui ça? Ouais, Bob, viens, Bob, t'inquiète pas. Tiens, fais un câlin avec moi. Ok. Eh, viens. Non, mais lui, mais c'est un malade, vraiment. Comment je t'ai eu? Oh mais fan! Ah mais c'est toi! Ah c'est toi! Ah ouais, ok! T'as pas deviné avec les trois chats siamois là qui entouraient ton gamin? Ah bah non, j'ai pas deviné du tout! Ah ouais, mais c'est toi en fait! Ah je suis mort! C'est moi. Ah putain! Ah bah ça fait plaisir en fait, c'est toi qui as emménagé à côté de chez moi? Ouais, c'est ma maison ici. Ah ouais. Ici, les gars, c'est une chambre d'amis, comme ça si tu veux un de ces quatre que je te garde ton petit-fils, ton gamin. Ah ouais, ok. Eh mais non, mais pleure pas Bob. Bob, c'était une blague. Mais ici, en plus il sait très bien que c'était une femme. Mais oui, il sait très... Non mais il est manipulateur. Bon, en tout cas, je vais faire visiter. Ah vas-y, fais-moi visiter ta maison. Fais-moi visiter ta maison. Ici, ah ouais. Ah ouais, ok, je vois, stylé, ok. Ok, nice, vas-y. T'as quoi d'autre? Bah là, ici, là, ça va être ma chambre de... Bah, c'est ma chambre personnelle ici où je dors. Ok, vas-y. Les couleurs sont assez particulières, les gars, mais c'est des goûts de fans de chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Le rouge et le noir. Moi, j'aime les couleurs sombres et le rouge. Ah non, mais je respecte absolument ta maison. D'ailleurs, ta maison est très stylée d'extérieur, c'est plutôt cool. Bref, hop, on va tout de suite descendre et tu vas me présenter un peu le bas. Il est passé où, Bob? Parce que faut pas qu'on le perde une nouvelle fois. Hein. Faut qu'il arrête de faire des bêtises, là. T'es passé où, Bob? Il est juste ici. Allez, Bob, arrête de manger tous les cookies de fans. Les cookies, ton fils. Ouais. Et puis dehors, t'as un grand jardin. Vas-y, tu me sers un petit verre? Je peux prendre le petit verre là?
Vas-y, vas-y, prends. Tiens, regarde, si tu veux, tu peux même prendre un autre verre. Attends, je vais te donner un verre. Ah, vas-y, là, vas-y. Un jus. Ah, vas-y. Je... est-ce qu'il veut un jus? Tu veux un petit, jus, Bob? Un Bob. Tiens, regarde, tu le prends. Hop, c'est bon. Et là, tiens, prends tiens. Et prends dans le mixeur. Tiens, regarde, juste... il a bu ça énervé. Hein. Bref, bon bah c'est cool, ok c'est nice. Bon, bah du coup c'est ta maison, t'as emménagé à côté de chez moi, c'est vraiment ouais, sympa. C'est forcément moi mes deux chaînes favorites sur la télé. Ouais voilà, je suis mort. je suis mort. Bon bah c'est cool. Et t'arrêtes de jeter les lumières. Je suis mort. Quelle télé. Ouais, arrête d'allumer et d'éteindre les lumières. D'ailleurs, là, il n'y a pas besoin de mettre les lumières. On voit très bien dans la maison. Du coup, laisse les lumières comme c'est, ça consomme de l'électricité. Bref, et les gars. J'ai un verre dans le dos, je sais pas pourquoi. Bref, les gars. Hop, je vais ouvrir. Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très très cool, le petit prank de fan de chat. Voilà, il a fait genre, il a kidnappé Bob. Du coup, j'ai littéralement pété un plomb. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était fan de chat et Reason, les deux acteurs. Du coup, vous l'avez sans doute compris. Leur chaîne, vous pouvez les retrouver en description. Vous abonner à leur contenu, ça me ferait plaisir. Et surtout, vous abonner à ma chaîne. Voilà, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très bientôt. Ciao, ciao.